Ces gens, ils veulent toujours que je montre ma blessure. Hein? Et puis elle regarde. Mais c'est pas pour ça que tu t'es venu quand même. Ah si, ça... ouais, pour ça. La mémoire vient de me revenir. Ah, je suis bien contente pour ta mémoire. Mais enfin, c'est pas une raison pour aller montrer ton engin à tout le monde. Hein. Mais c'est ces gens qui assistent à chaque fois qu'ils voient quelqu'un. Et puis, tu sais, quelle idée aussi d'avoir passé sur un fil électrique. Et puis j'espère que ça va bientôt guérir parce que ça commence à faire. Je sais, ma chérie, mais tu sais, hein. Il faut pas rigoler avec ça, parce que si ça sèche, ça tombe, hein. Et si ça tombe, ben, tata. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour pas que ça sèche? Eh ben, toi, rien. Moi, je mets de la pommade trois fois par jour. Non, mais vas-y, plutôt deux fois. Bonjour, les amis. Oh, bonjour. Bonjour, Nathalie. Ça va? Oui, et toi? Ah, ça va, je te présente à Fernand, tu le connais? Bah oui, bien sûr. Oui, c'est moi, Fernand. Celui qui vaut le long du courant. Ah, oui, bah si tu peux éviter de prendre. Oui, le courant, quelle saloperie. Hein. Bon, je vais finir de dresser un accent avec ton ami Bernadette. Hein. Je regarderai plus tard. Oui. N'empêche que c'est dommage, pour une fois que j'étais dans le jardin. Bah, c'est pas avec ton outil cassé qu'on se serait amusé. Hein. Vas-y, reviens quand ce sera réparé. Allez, y'a plus de temps. Qu'est-ce qu'il a cassé? Oh, rien. Assieds-toi. Alors. Ce sacré Fernand, c'est ton amant du moment. Oui, quel homme. Oh, bah, tu sais, j'ai déjà vu mieux. Hein. Bon, faut pas se fier à la carrosserie. Faut voir le moteur. Est-ce que tu veux dire son outil? Et alors, il y a un gros moteur? Oui, très gros. Même si en ce moment, il n'est pas au point. Bah, qu'est-ce qui n'est pas au point? L'outil de Fernand, il est... cassé. Cassé en deux? Mais non, pas cassé en deux, tu peux dire n'importe quoi. Il a eu un accident. Eh ben, c'est pas la peine d'avoir une grosse voiture avec une carrosserie moche et un moteur cassé. Autant que tu gardes ta dedoche de jus. De genre, pas en sur-régime, certes, mais toujours en marche. Ah oh ben c'est quand même pas de sa faute s'il a eu un accident. Un accident? Et quel accident qu'il a eu? Il est rentré en collision avec Johnny Depp? Bah, tu crois pas si bien. Ah bon? Bah, vas-y. Allez, vas-y, raconte. Bon, vite fait, hein, comme ça, sans chichi. Bon, alors voilà. Fernand sortait de chez la bergère. Et il a eu une envie, soudain. Alors, il a sorti l'arme du délit. Mon délit à moi. Et il est allé de gauche à droite, à gauche, à droite, droite, gauche, voilà, jusqu'à ce que son urine rentre en contact avec un fil. Et là, le courant remonta. Le compteur disjoncta. Et son outil. C'est pas possible. Si. Aussi vrai que j'en ai connu. Si, cocu, ma chérie. Oh Jean, c'est toi? Ah oui, qui veux-tu que ce soit? Alors dis-moi que c'est qui est cocu. C'est le mari de... le mari de Bernadette. Hein? Jules, il est cocu? Et avec qui tu as fait cocu? Joséphine, je... moi je te jure, hein? Avec ma femme, tu l'as fait? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais non, pas Joséphine. D'ailleurs, elle n'aime que les hommes qui ont de gros moteurs. Voilà. Ah bah oui, bah c'est pour ça qu'elle aime que moi, d'ailleurs. Enfin, faut toujours que t'en rajoutes. Bon, alors dis-moi, Bernadette, avec qui t'as fait cocu ça, très juste? Dis-moi-le, je te le dirai. Personne, c'est trop bien. Oui, bah c'est bon, hein. C'est avec Fernand, ton ami. Avec Fernand, hein? Non. Fernand? Franchement, t'as pas pu trouver mieux? Oui, il est pas si moche que ça. Voyons, Joséphine, t'as pas vu son nez, ses oreilles et puis ses vêtements? Franchement, il a rien pour lui, le bon garçon là. Eh, excuse-moi d'être aussi froid avec toi, Bernadette, hein, mais t'as vrai que c'est plutôt un remède contre l'amour, hein, il est né, quoi. Ah, oh, bah peut-être, mais il fait l'amour comme un dieu. Oh. Comment tu peux dire ça? C'est Bernadette qui m'a.
c'est moi qui lui ai raconté nos huitorides. Huitorides. Eh ben, dis donc, j'aimerais la discuter avec vous un peu plus souvent, hein. Eh, Bernadette, tu vois, en ce moment, avec le Fernand et son truc cassé, là, ça va pas être facile, hein. Non, alors ça commence à faire. Et pourquoi tu réponds toujours à la place de Bernadette? On croirait que c'est toi sa maîtresse. Non, je ne fais que imaginer le manque de besoin de Bernadette. Ah, oh, ne vous inquiétez pas, les amis, hein. J'ai Jules en dépannage, voilà. Eh, quand même, Jules, j'ai comme du mal à imaginer cocu, moi. Mais c'est bon, hein? Tu vas pas aller le chanter sur tous les toits. Ah oui, laisse voir Jules et Bernadette tranquille. Ouais. D'autant plus que ce n'est pas toujours celui que l'on croit qui y est. Question à prendre, par exemple. Rien. Il est temps pour moi de rentrer, hein. Alors, au revoir et au plaisir de vous voir. Et puis passe le bonjour à Jules, hein. Oh, ça suffit, hein. Mais oui, c'est vrai, tu dois pas lui fiche la paix, non? Oh, c'est bon, hein, j'ai rien dit. Et puis qu'est-ce que ça dire à Jules, hein? Parce que moi, je te tords le cou. C'est bon, je dirai rien. Enfin, heureusement que je t'ai, hein, parce que moi je te dis, je pourrais jamais supporter d'être cocu. Hein. Allez, viens ici que je t'embrasse pour te remercier. Non, je ne comprends pas. J'ai pas le temps. J'allais faire les courses. Oh, les bonnes femmes, alors. Elles se plaignent tout le temps qu'on leur fait pas de compliments, puis dès qu'on leur fait, elles se barrent en courant. Ah, bah, te va, toi. Allez, les bons. À toi. Fernand, c'est à toi que je parle. Ah, pour ça, tu fais des cachotteries. Des cachotteries, t'as su ma tombe, hein. Ma femme m'a tout dit sur ta relation. Relation? Quelle relation? Eh, fais pas le timide, hein. Eh, je sais que grâce à toi, un homme est cocu. Un homme cocu? Eh, fais pas l'étonner, hein. Eh, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, hein. Bon, si tu te prends comme ça, ça me rassure. Eh, comment veux-tu que je le prenne? T'es mon ami, quand même, Fernand. Oui, quand même, j'en reviens. Mais bon, je vois que les fuites est large, hein. Je suis content que ce soit ainsi, hein. Oh, bah, et puis, je vais te dire un truc. Si toi ça te fait du bien, moi ça me fait pas de mal. Bien sûr, j'en suis sûr que je te rassure. Et Joséphine ne compte pas à tes yeux? Ah si, Joséphine, bah, c'est la femme de ma vie, je l'aime. Quand même, oui. Oh, hey, quand même, tu vas faire que le cul de Jules. Oh, lui aussi, il est cocu. Arrête de perdre l'innocent. Hey, t'inquiète pas, je le dirai à personne. Hein. Ah bon, personne, bon. Eh non, à personne. Eh, mais ça va être. Toi, faire cocu, Jules, on va pas. Bon, cocu. Hein? T'arrêtes de faire l'innocent, là? Eh, t'es quand même un sacré chaud lapin. L'ami de Bernadette, cocu, bien sûr, ma bénissant. Eh, t'arrêtes de faire l'idiot, c'est quand même avec une couche, non? Oui, quand même. Bon, alors, dis-moi, avec Bernadette, comment ça se passe? Quoi, ouais, comment ça se passe? Bah, au lit, comment ça se passe au lit? Normal. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, normal? Ben oui, parce que tu sais, en ce moment, je peux pas. Hein. Alors, il faut pas s'amuser avec ça, parce que si ça sèche, ça tombe. Je comprends bien, mais avant ton accident, comment ça se passait? Avant. Ah, c'était l'extase. Le nirvana. C'était magnifique. Je revois son petit corps si doux, si tendre. Ah, tiens, et surtout, je me rappelle de ces deux petits. De ces deux petits grains de beauté sous son sein droit. Bernadette a deux grains de beauté sous le sein droit? Oui, je crois. Oui. Hey, tu vas pas me croire. J'ai vu pas que Joséphine, elle aussi, a deux grains de beauté sous le sein droit. Ah oui, je sais. Comment tu sais ça, toi? C'est Bernadette qui l'a dit. Mais comment elle le sait, elle? Oh, ben tu sais, je ne sais pas, moi, mais les femmes, quand elles sont ensemble, elles s'en racontent, hein, les choses, hein. Tiens, du genre, t'as vu mes seins, ils sont plus gros que les tiens. Oui, ben les miens, ils sont plus durs et plus pointus. Ah, elles s'en disent, les voix en fait, là. T'en sais des choses sur les bonnes femmes. On ne pourrait pas te voir, mais t'en sais des choses. Ah, oui. Oh là là, mon beau père. Ah, ben vous êtes encore là, tous les deux. Bah, oui, Bernadette, elle avait deux grains de beauté sur sa voix. Bah pour te le dire, faudrait bien que je le sache. Couche pas avec Bernadette, moi. Bah, je sais bien que tu couches pas avec Bernadette parce que c'est Fernand, son amant. Oui, j'ai appris ça, que tu couches avec Bernadette. Ça va, il fait rien de mal, hein. Ah, bah quand même, je pense à la souffrance de ce pauvre Jules. Bah, il souffre pas parce qu'il n'osait pas. Chut. Ah oui, franchement, Joséphine, Fernand, il est pas joli, donc il fait avec ce qu'il trouve, il a pas trop le choix, hein. Comment ça, il a pas le choix? Bah oui, voyons.
Fernand, il est pas beau. Fernand, t'as pas le contraire, t'es pas beau, quoi. Fernand est moche, il couche avec des moches. Et moi, je suis moche. Non, t'es très belle, ma chérie, quand je lui dis ça. Elle dit qu'elle est très jolie, et puis ça n'empêche pas d'être... Mais qu'est-ce qui se passe, Joséphine? Oh, il n'y a rien, mais tu m'énerves avec tes grains de beauté et tes cocus, là. Oh. Calme-toi, Joséphine, calme-toi. Voyons, cela vient, cela vient, cela vient. Tu as raison, mon frère. Il faut que je me calme. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de me crier dessus? Et lui, gna gna gna, Joséphine, et tu lui fais les genoux, là? Quoi, t'es jaloux? Non, pas du tout. Mais déjà, à cause de lui, le jus les cocus, bah, je ne vais surtout pas l'être à mon tour. Hein. Jules est déjà coquet. Ouais. Ah, tu peux faire ça parce que là j'ai cru tous les deux là. Mais c'est pas possible, hein. Mais non, c'est pas possible. Bon, c'est pas tout les amoureux, hein. Mais moi je vais vous laisser parce que il faut que j'aille le soigner, hein. Faut pas que j'oublie la fois, hein. Pour la fois pas jour, hein. Parce que si ça tombe, ça sèche. Si ça sèche. Enfin, je dis les amoureux, moi lui amoureux, mais elle. Oh, mais tu m'énerves à la fin! Oh, mais puisque c'est ça, bah, moi je me casse. Allez, au revoir tout le monde. Hein. Bon, ben. Oh, casse-toi, parce que. Oh! Dis, il est très content, ton ami. Hein. Il croit que Jules est cocu, alors c'est lui qui a les cols de sèche sous la tête. T'es pas gentil. Puis tu sais, c'est tout ce qu'on a trouvé à dire. Hein, parce que tu sais, il est rentré, et moi je suis en train de discuter avec Bernadette. Sur le coup, c'est tout ce qu'on a trouvé. Hein. Alors, vous avez pu m'amener de quand même, hein, parce qu'à un moment, j'ai cru qu'il était au courant de notre relation. Hein. J'ai même cru qu'il était pour 100 ans. Il est vraiment bon, c'est même. C'est quand même pas gentil. Hein. Puis tu sais, depuis ton accident, moi je suis bien contente de l'avoir en dépannage. Oui, mais c'est, il est pas gentil. C'est bien fait pour lui, parce que t'as vu ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a dit que j'étais moche, hein? Alors, tu as quand même pas le plaindre, hein? Ah, bah si, un petit peu. Puis, tu sais, quand même, il me sert bien entre-temps. Oui, parce que depuis mon accident, je sais. Parce que depuis... C'est terrible, hein? Parce que... Ah, c'est terrible. Si ça sèche, hein? Si ça tombe, rideau!